Bah c'est à toi du coup. Ah bon? Non, tu vas continuer? Parce que bon, oh bah fait... si, je veux bien, il va falloir que je remette le gameplay en tête. Quoi. Bah oui, et puis c'est 10h. Quoi déjà? Oui, c'est 10h. Crotte alors. Allez, bah, sinon tu joues pas. Sinon je joue pas, et triste, on n'est pas, pas chez Johanna Spark Live. Hein. Hein, ça veut dire quoi ça? Face à une opposition restreinte, ils devraient brouiller leur détection. Ouais. En théorie. Ce n'est qu'un prototype à évaluer en situation ouais, de combat réel. Il me tarde de voir si vous survivrez. faut pas tenter Grunt. Il va foncer dans le tas et tout défoncer sinon. Bonjour Fafikoun. Bonjour Fafikin. Très bien. Je les ai vus. Ah, tu trouves que les libertés sont trop limitées, Ryobu? C'est trop... trop d'instances. Quoi? Je peux tirer sur le truc là-bas. Toi, tu bouges plus. Ouais, c'est vrai qu'il s'en va vers le devant parce que c'est un... C'est un bourrin. C'est un bourrin. Putain. Putain, mais il souffre ou c'est moi là? Attends. Couchez le chien. Couchez le chien. C'est ce que j'ai cru. Comparé au premier, c'est vrai quoi, ouais, peut-être. Masse de liberté. Mais après, si t'es entre les missions, tu peux te balader comme tu veux quoi. Juste qu'il faut pas déclencher les cinématiques. Petit truc qui vole. Pas de machin là. Ouais, personne. Pas beaucoup de trucs à explorer, mais... Ça par contre, ouais, il y a peut-être moins de trucs à explorer. Je sais pas s'il y en avait beaucoup dans le premier, mais... Je pour le souvenir. C'est pas un non, jeu Non, ce trop... que je veux souvenir, c'est qu'on pouvait se mettre accroupi ou des trucs comme ça, et m'en souvenir, on peut pas. Ah bon, on peut se mettre accroupi dans celui-là? Bah, je vais pas trouver le bouton. C'est pas en appuyant sur le stick ou... Non. Ah ouais, non, c'est pour repérer, c'est vrai. Peut-être en laissant appuyer sur... Bien. Ah oui, c'est vrai. Bim! Ah non, ça casse c'est des caisses. Invisible. Ouais. Qu'on n'utilise jamais d'ailleurs. C'est vrai. On pourrait peut-être utiliser un peu. Pour quoi faire? Je sais pas. Genre quand on veut sneaker quoi. Quand on veut sneaker? On va sneaker! Je veux pas sneaker moi! Je veux pas sneaker? Une petite barre chocolatée. Du cul! c'est parti! Putain. Sur le côté là. 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 Je pousse le... Oui. Pardon. Yes. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Complete. Bravo, bravo. Prends-en de la graine. Oh, la belle... Oh, la belle nuit. Commandant, on a des interférences à plein tube. Impossible de stabiliser le signal. Les récolteurs doivent bloquer les transmissions. On est livrés à nous-mêmes. C'est parti. Oh putain. Ouh. Il a pas l'air sympa lui. Putain, il faisait un pique-nique et tout là, il y a des tables de pique-nique. Tu l'as touché? Oui. Ouais. Et je l'ai même tué. Bonjour, bonjour, un Grimlock. Bonjour, bonjour, le soleil. Ta la ta ta ta. Oula. Attends, c'est quoi ce... Cible en vue. Ouais, il y a un qui va tout vite là. Zombie. Bah tu peux le tuer s'il te plaît parce que... Il est mort. Bah, je crois pas. Viens. Il chante. Il nique la vue lui. Ouais, c'est la première run pour nous. On l'a jamais fait encore. Premier run de Mass Effect. Et on en est au deuxième. Deuxième quoi? Jeu Mass Effect. Ah, j'ai plus de balles. Ramasser les munes. Ces horreurs ressemblent aux zombies dont les guettes Olivia Mun. C'était pas plutôt un coup de sovereign, ces zombies? Alors votre homme trouble disait vrai. Les récolteurs doivent bosser pour les moissonneurs. Alors attends.
Moi je veux bien tout fouiller, s'il vous plaît. Laissez-moi fouiller les choses. On a fouillé les casseroles et tout là. Bah oui. Alors, on peut peut-être trouver un truc. Une bonne petite casserole Tefal. La nouvelle batterie de cuisine. Regarde, 4200 euros que j'ai gagné. Des crédits. En volant les gens. Yes. On peut pas changer le fusil d'épaule. Enfin, on peut pas changer le viseur de côté. C'est chiant ça aussi, qu'il soit de ce côté-là. Bah, c'est comme ça, hein. Droitière et puis tu te démerdes. Putain, mais c'est l'imposition des mains ce truc. J'ai choisi, je veux être. Examiné. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Ambidextre. Alors, là-dedans, il se passe quoi? La suite. C'est la suite. Donc, on va aller là-bas. Ah merde, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, la tête est revenue ici tout à l'heure. Mais on peut pas aller. Ah. Chargeur. On peut aller là-haut? Je croyais qu'on pouvait aller là. Autant pour moi. Je suis déçu des R34 de Grunt, c'est pas foufou. Mais faut regarder si elles devraient que ça sent bien. On dirait un humain. Un des colons peut-être. Non. Sur Eden Prime, cover en C, les victimes ouais. étaient empalées sur des piques géantes pour les zombifier. Je n'en ai vu aucune sur Horizon. Donc, les récolteurs avaient déjà des zombies. Ils veulent les colons vivants pour quelque chose d'autre. Ouais, le regard neuf de la première... De la ces première créatures run, sont différentes cool. de celles que j'ai combattues sur Eden Prime. Elles sont plus évoluées. On peut les tuer, c'est l'essentiel. Les récolteurs doivent mener des expériences sur les colons. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce que Cerberus m'a fait à côté, c'est que dalle. On finira bien par le savoir, j'imagine. Toi aussi, t'as pensé et à oui, bah, les colons. Les récolteurs, c'est les petits malins qui aiment mettre les doigts dans le cul. Allons, sauver les colons. Les récolteurs paieront pour grosse ça. Grosse diarrhée en perspective. Allons-nous-en d'ici. J'en ai, je sais pas, protectrice et trop du cul. Votre peuple. En fait, on a vraiment 10 ans. C'est des colons, quel des cocons de colons. D'habitude, il faut que je me bourre les veines pour arriver à ça. Que tu te bourres les veines, je te bourre les cul. Des victimes de plus. Merde, on a pas vu, putain. Est-ce que j'ai des... Bah oui. Bum. Il y en a un autre derrière, là-bas. Ah ouais. Il bouge pas. Ça y est. Ça y est, tout le monde bouge. T'as déclenché le truc. Cassez-le. Il a dit quoi? En plein dans le cul. En plein dans le cul. C'est pas un vaincu plutôt qu'il a dit? Ah moi j'ai entendu en plein dans le cul. Putain, y'en a là. Il récolte les collants. Ah non. T'es pas au bon endroit. Merde, merde, merde. Une poésie anale. Merde, merde, mais non. C'est pas facile, hein, d'y se remettre. Hein. Putain. De toute façon, il va s'y remettre. Hein. C'est bon, bravo. Oui, t'as bien entendu, Noliprane. Ah putain, mais merde. Et c'est que t'appuies sur quel bouton pour passer rapidement d'une arme à une autre? Tu sais pas? Je sais pas. Ah, c'est peut-être parce que t'avais plus de balles dans l'arme et que du coup... Ça me change l'arme. On joue en normal? Oui, on joue en normal, il me semble. Oui, bien sûr. Bien évidemment! Merde. Excusez-moi. Ear. Ah, j'ai foiré. Chacun son tour. Et on peut pas y retourner là? Non. Ah, trop tard, trop tard. La molette pour changer d'arme, ben en fait il joue sur manette. Oui, ça va, c'est bon. On le sait, on le répète tout le temps. Voilà, bouh, il joue ben, sur manette. C'est peut-être le pad pour changer d'arme rapidement. Ah oui, le D-pad, putain. Reçu. Mais non, c'est pour les faire changer de place. Pour les faire faire des trucs. C'est des ordres. Ah. Et là-bas, il y a quoi? Moi, je veux tout voir. Ah, c'est d'où tu viens? Oui, mais je suis pas allé là. Ah, dans la pièce, ouais. D'accord, d'accord. Tout est... C'est très mignon.
C'est très coquet, c'est très... On peut passer. Non. X hold. Yeah. Ah, merci. Bienvenue, Bushkar. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'est... C'est la remerciance ultime. C'est la practance. Ah, ici, il va y avoir du monde. D'accord. Non, parce que quand tu fais des trucs... Ah, quand j'ai peur, je m'arrête. Il y avait pas un truc sur la caisse à côté ? Un truc sur la caisse ? Non, j'ai rien dit. Il faut vraiment que t'ailles chez l'ophtalmo. Ok, tout se passe bien, c'est bizarre. Bah, j'ai déjà tué tout le monde. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Oh, c'est Kédan ! Ah non, c'est pas lui encore. Non, c'est des colons en stase. Des colons en stase. C'est quoi ? Un champ de stase ? Ils sont paralysés mais conscients. Ils sont dans cet état depuis un bout de temps. Bah là, c'est Jeannot qui joue. On joue une heure chacun, quoi, on se relie. Bon, on fait une mission chacun, grosso merdo. Voilà, à peu près. Est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais déjà là-haut ? Personne, il faut semblant. Ouais, c'est ça, puis en fait... on regarde les gens jouer et puis on réagit en même temps. Performance de réaction. C'est vrai qu'on se fait chier à jouer alors qu'en fait il suffit juste de regarder des gens jouer maintenant sur Twitch. Alors, Piraton. Il est là. Merde. J'ai foiré. Ça va, ça a l'air de bien se passer quand même. €3000 du futur. Un let's play en plein écran. Mais oui. Bah ça peut se faire, hein. Tu croppes la j'ai capture. J'ai ultra chaud. Et bah, pas à toi. Poil. À poil, à poil. Allez, pour ceux qui veulent que Johanna se mette à poil, tapez 1. Mais non. Mais non. Et ceux qui veulent pas, tapez 1. Canon à particules de récolteur. D'accord, que chez Pardon. Canon à particules de récolteur. Wow. Ryobu, il a tapé 7. Fais gaffe, dès qu'on a 2-1, t'es obligé de le faire. Oula. Mais il y en a 2, hein. Déjà. J'ai envie de lui tirer dessus, franchement. C'est pas possible d'avoir un physique pareil. Mais il a un trou dans la tête. Non, il a pas de trou dans la tête. C'est quoi sa tête, regarde. Et non, il s'est fait une mèche. Alors, il s'est fait chier dessus par les bébêtes. Ah. C'est comme ça, il y a du guano sur le... D'accord. Ok, on va pas passer par là tout de suite. Parce que c'est l'objectif. Ah ben oui. Attends, l'objectif est où ? Ah oui, il est devant. On aurait déjà passé par là en dessous. Ah bah c'est pareil, d'accord. Je vais me chercher de l'eau, je reviens. Ok, non, attention, il y a la cinématique, tu peux la Ah louper. Bah après la cinématique, alors. On dirait les... Les bestioles de... De Darkseid. Dans l'univers d'ici, c'est des espèces de grosses blattes volantes. Je sais ce que ah il parle avec une voix dans ta tête. Alors on va tout mettre sur Les le connard. Vous détruiront. Voilà. Je vais tous vous détruire. Eh ben dis donc, quelle entrée fracassante, monsieur en bleu là. C'est pas fini. Je vais me chercher de l'eau, je reviens. Non ? Bah si. Tu me laisses pas tout seul, j'ai peur, moi. Mais tu vas t'en sortir, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul, pense à... Pense à Grunt. On voit dans ta tête. Pense à Grunt et Jack. Te casse pas la gueule, hein. Tout va bien. Je supervise. Je commence ici.
Ah putain, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Oui. Voilà. Vous soufflez. Voilà. Bam. Skill patron. Pardon. Rendez-moi Kaidan. Défrisez-moi Kaidan. Il était si beau. Accéder à leur titre 3000 euros du futur, parfait. Les Space Euros. Il y a communauté Twitch pour te soutenir, j'en étais pas tout seul. Absolument. On se sent faire partie d'un tout. Nous sommes ensemble, nous ne faisons qu'un. C'est un peu comme une espèce de grosse partouze en fait. On est tous ensemble. Les uns dans les autres. On est interconnectés, oui. Par la passion. C'est vraiment ça, c'est vraiment une partouze. Hein. Quand on y réfléchit bien. Pourquoi vous me laissez dire des choses comme ça? Ah, faut aller. C'est où l'objectif? Je vois pas. C'est par là, donc on va aller par là. Les munitions pour armes lourdes. C'est les armes qui racontent des blagues bouffes toute la soirée, les armes lourdes. Bah, y a pas de musique, c'est rien. Putain, vache. On va faire avec les radins du coin. Déverrouillage de porte de mon cul. Alors, on va pas faire la même connerie. Hein, ce coup-ci, on se concentre un minimum quand même. J'ai fait cliquer à côté. Tu fais des blagues bouffes sans moi? Je fais pas des blagues bouffes. Hein? Et moi, j'ai pas le droit d'avoir de l'eau. Ah bah attends, je vais te chercher. Pourquoi t'as pas ramené la carafe? Parce que j'avais un verre plein déjà. Contact. Sortez immédiatement. Non mais je vais chercher la carafe et je reviens. Ça marche. Allez au galop. Allez au galop. Allez, au revoir. Attends, je reste pour la cinématique quand même. Vous êtes... Oh putain, il a une casquette. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez les attirer sur nous. J'ai ouvert un passage. Et on se calme. De ne pas être dans la suite d'un vaisseau récolteur à leur filet. Ce sont des récolteurs, c'est monstre. Ah, c'est complètement Big Flo. Vous voulez dire que c'est pas une légende? Je croyais que c'était des histoires. Vous savez, de la propagande. Pour qu'on quitte pas l'espace de l'Alliance. Non, ils ont eu l'élite. Je les ai vus l'emmener. Sten aussi. Ils ont emmené quasiment tout le monde. Montrez-moi votre... Mais vous êtes qui? Quel est votre nom? Big Flo. Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Delan. Je suis mécano. J'étais descendu vérifier la grille principale après le blackout des transmissions. Et c'est là que ça a commencé à crier. J'ai regardé le... Bonne nuit, Premium. Bonne nuit, Premium. Des nuées d'insectes. C'est qui me demande de l'eau aussi? Je me suis enfermé à double tour. Je veux bien te ramener un verre d'eau qui lise, mais ça va être compliqué. Bon sang, tout ça, c'est la faute de l'Alliance. C'est à cause de cette tourelle et de ce commandant Alenko. Sans quoi, on n'aurait pas été pris pour cible. Alors non, c'est pas Christophe Lemoine. C'est pas Christophe Lemoine, mais après, il y a un petit truc dans le timbre de voix qui ressemble. C'est parce qu'il fait comme ça, oui. C'est tout. Il force bien la voix. Parle-moi de cet officier de l'Alliance. Le commandant Alenko. C'est rigolo, plein de monde qui... Oui, il prend aussi, qui dit Cartman sort de ce corps. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Il aurait mieux fait de rester dans l'espace concilien. Vous avez une idée de ce qu'il faisait sur l'horizon? Il était censé nous aider à activer les tourelles de défense. Moi, d'accord, je te ramène un verre. J'ai l'impression qu'il était là pour autre chose. Pour nous espionner, peut-être. Mais doucement. Parlez-moi des tourelles défensives de la colonie. Oui, ça m'intéresse. Laser gardien ultra puissant. Il devait empêcher les vaisseaux ennemis d'atterrir près de la colonie. Il a fallu construire un énorme générateur souterrain dédié. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu activer le système d'alignement. Bref, l'Alliance nous a fait super, un géant qui arrive pas à tirer. C'est comme l'application tous anti-Covid. Franchement. Stop. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la faute de l'Alliance? On est qu'une petite colonie. Personne ne peut nous emmerder jusqu'à ce qu'on installe ces saloperies de tourelles. Moi, c'est pour plus avoir l'Alliance sur le dos que j'ai quitté l'espace concilien. Les récolteurs ciblent des colonies isolées. L'Alliance essayait de vous aider. J'ai pas besoin de son aide. Il y a trop de petits caractères dans le contrat. Cet officier là, il a dit qu'il venait juste superviser l'activation des tourelles. Mais je vous fiche mon billet qu'il y a autre chose là-dessous. Il parle de l'étoile noire. Et on a tout enquêté, ouais. Si vous avez des défenses,
On peut s'en servir contre le vaisseau récolteur. À condition d'arriver à calibrer le système d'alignement. Ben, ça n'a jamais marché. Ça, on s'en occupe. Donne-nous l'emplacement. Allez jusqu'au transmetteur principal de l'autre côté de la colonie. Vous risquez pas de le manquer. Les commandes de visée sont à la base. En tout cas, on fait une sacrée équipe, hein, je trouve. On lui demande d'attendre ou on l'emmène pour qu'il se fasse buter? C'est plus sympa de l'emmener, en vrai. Oui. Vous Allez. Connaissez la colonie et ses infrastructures. Venez avec nous. Plus quoi encore? Allez. Non, mais il faut être méchant avec lui. Vous allez laisser les récolteurs emmener vos amis? Je suis mécano! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je les attaque à coups de pied anglaise? Vous sortez si vous voulez! Non, mais tu leur parles! Je porte derrière vous! J'ai pas envie d'y rester, moi! Et bonne chance! Il va vous en falloir! Oh là! Attends, on va le tuer! Attends, il y a ouvrir mécanicien? Ah non! Je quitte pas ce bunker tant que ces aliens sont encore là! Ouvrir le mécanicien, mais. Comment que ça se passe? Ah, la casquette fait. C'est le premier truc qui m'a choqué. Pourquoi? C'est pas une casquette du futur, c'est ça? Ouais, je sais pas, je sais pas. Tu sais, tu t'attends pas à la casquette quand il arrive. Bah, c'est un mécano! C'est un prolo, qu'est-ce qui définit le prono dans le futur? C'est la casquette! D'accord. Non? Piu! Ouais, tout anti-Covid, ça plante, ça m'étonne pas. Mais aère ton appartement, ça suffira. Et 10 minutes, 3 fois par jour. Et hop. Plus Covid. Plus de Covid. Suivez-moi. On récupère les engins. Oui, c'est les motoculteurs du futur. Ils sont bien. Les petites tondeuses du futur, tondeuses motoculteurs, c'est très... Ça, par contre, ça ressemble plus à un truc qu'on aurait dans le futur, oui. Dans le présent aussi. Dans le présent. Salut les Maccabées. Attendez. Je ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Tu ne sais pas encore, mais tu pues la merde. Oulala, il y a un brillant qui arrive. Il y a un brillant là-bas. Je sais, mais j'arrive pas. Je vais tout vous faire fuir. C'est un incarné. Comme les ongles. Mais oui. Protecteur. Ah merde, j'ai plus mon truc, j'ai... Merde, je suis con, j'ai... Casqueterie carpétant que mois d'août dans le bar. C'est nul ce truc. Bah, tu tires avec quoi? J'ai changé d'arme, j'aurais pas dû. C'est chiant, faut le charger celui-là. Ouais, quand c'est trop long... Bon, tout le monde est mort. Écoutez! Non, y'en a un là-bas. Merde. Un gros truc gluant avec des pustules bizarres. Ok. Bon, je vais. On va changer les armes parce que. Merde. Bah alors? Ouais, mais c'est nul. Pourquoi t'as changé toutes tes armes? Je voulais voir, c'est tout. J'étais curieux. Pourquoi elle a pas voulu se coller cette conne? Pourquoi elle s'est pas collée au mur? C'est ta première mort, non? Oui. Bravo! Mais elle voulait pas se coller au mur et puis son arbre c'est de la merde! Baptisé du décès! Je suis pas content. Attendez. Une mort chacun? Je suis mort qu'une fois. Mais oui, du coup, oui. Déjà baptisé du décès, ouais. C'était le pistolet lourd prédateur qu'on avait? Je sais plus. C'est le Carnifex! On avait le Carnifex. Le Carnifex! J'aime trop ce nom. Et là, j'avais pas le canon en particule de récolteur. Voilà. Voilà! Là, ça va aller mieux. Respecté! Deuxième essai! Deuxième essai qui se coule. Et d'un. Et de deux. Ceux-là, ils sont tellement faciles à battre. Et de... Je vais tous vous détruire. Bien. En même temps, il n'y a que Jésus qui arrive à mourir deux fois. J'en ai
Bientôt on va pouvoir s'appeler Jésus. C'est tellement bourrin ce truc. C'est trop bien. Ouais, c'est pour quoi, ça que j'aime. Bah c'est l'arme de. L'arme de récolteur que j'ai ramassée tout à l'heure. Ah, c'est cool. Boum, voilà. Mais bon. Merde. Doigt dans, vraiment dans le cul. Doigt dans le cul. En fait, c'est un kappa. Et les attaques de kappa. Les engins du démon. Quoi, Kinise? Qu'est-ce que tu dis? Jésus Sana. Spark. Ça fait un peu bizarre, Jésus Sana. Jésus Sana. Jésus Sana. Jésus-a. C'est comme si on a fait du Verlin avec Anus un petit peu. Jésuette. Jésusette. Des munitions pour armes lourdes. Et c'est bien. Ça, c'est bien. Non, attendez. Mia, où y'a là? On voyait pas déjà. De quoi? Il y avait des munitions, c'est tout. Des Olivia, c'est ça que t'as dit? Oui! C'est bien. Ouh, dis donc, ici ça peut péter, péter fort. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça pourra toujours servir. Un cadavre, ça peut servir. Le sextoy. C'est vrai, ça fait Jésus Sana, ouais. Jésus Sana. C'est dit comme ça. Oh, non, on peut pas sauter, on n'est pas dans le Tomb Raider. Comment ça se fait qu'on ne soit pas tombé sur d'autres gens paralysés? Ils ont dû être chargés dans le vaisseau récolteur à l'heure qu'il est. On dirait qu'ils sont quasiment prêts à partir. C'est pour ça qu'on doit sauter dans le vaisseau à la dernière minute. Pour récupérer Kaidan. Pour regarder Kaidan partir, triste. Non, on va le sauver. Ils nous ont dit qu'il serait dans le 3, on nous a spoilé. Ah, le spoil. Ouais. Après, il est peut-être méchant. Il est peut-être méchant. Non? Peut-être qu'il est méchant. Peut-être qu'il y a une scène hentai où il se fait engrosser chez les moissonneurs. Et quoi. C'est un Kaidan version pondue. Il se fait Yamete-kudasai et après il se fait vor. Puis voilà. C'est la salsa du bidon. La salsa du bidon. Quelle performance édifiante. Pas se mettre à couvert devant ce truc. Il y a des trucs où on peut pas se mettre à couvert, c'est pas très clair. C'est... Allez, que faut-il faire ? Allez-y, envoyez la sauce. Ah putain, les plus. Ouais. Non, ouais. Te mets pas là. Oh là là, t'es au pire endroit. Bah oui, mais je fais ce que je peux. Ils se mettent tous où je veux être. À mon avis, tu vas bientôt au cœur à cœur là. Au cœur à cœur, tu veux dire. Au cœur à cœur. Attends, je vais. Ouais. Ah oui, c'est le truc chelou. Oh. Putain la vache. Oula, tu te fais tirer. Mais c'est pas grave, je mets les couverts. Ah, tu peux soigner ton commando là. J'ai plus jamais qui. C'est lequel? C'est l'unité là. Voilà. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Unité. Ah! Ah! Ça se passe bizarre. Ça se passe pas bien. À travers les pneus. Voilà, il y en a un au moins. Déjà, ça c'est fait. Ah, voilà, ça fait un petit peu et ça. Oui, tout le monde est mort. Vous avez eu les autres. Putain, mais ils sont pas tendus. Hein. Ils sont meilleurs que Garus et Mordinawok. On a bien fait. De prendre les deux. On peut pas sauter, on est d'accord. Non, on peut pas sauter. Parce qu'il y avait des munitions sur un truc. Ouais. Ouais. Où ça va? Ah oui. Truc, là. Mais bégaga. Un bégaga. On peut faire comme ça.
Ça a marché. Ah. Ça, c'est maintenant qu'elle se met à couvert sur plein de trucs. Acting sur 20, Tobelib. Pourquoi? Le cri de père avec le moins de conviction du monde. Cri des pères? J'ai fait un cri des pères? Oui. Mais pourquoi père? Pourquoi j'aurais fait ça? Je sais pas. Son cerveau est un ordinateur. L'informaticien du futur. C'est celui-là. Mais c'est bon! Laisse-moi faire le suspense. Normandie, vous me recevez? Ici Joker. Le signal est faible, mais on vous reçoit, commandant. Récoltez-moi ça. Idea, tu peux activer les tourelles défensives de la colonie? Les erreurs dans le logiciel de calibrage sont faciles à rectifier. Mais il va falloir du temps pour que les tourelles atteignent leur puissance maximale. Et le temps, j'ai de l'argent, Brett. Une posture défensive. Je ne serai pas en mesure de dissimuler la surconsommation énergétique. Les récolteurs vont vouloir nous arrêter. Parfait. Bisous, bisous. Tu as d'autres infos à nous donner? Une seule. Des renforts ennemis s'approchent. Je vous conseille de vous tenir prêts à tirer. Prêt à tirer? J'ai pas compris les règles de piratage. Bah en gros... Quand t'as les textes comme ça qui s'affichent, il faut prendre... Faut cliquer que sur ceux qui sont... Faut cliquer que sur les textes sur le même motif. Voilà, c'est en gros, faut repérer les trucs qui sont pareils. Et faut pas passer sur ceux qui sont rouges. Putain, je l'ai... Fils. Ils ont de la santé, hein. Arrêtez de me tirer dessus. Mais s'il vous plaît. Ah, si on m'avait dit qu'il suffisait de dire ça. Putain, il y en a là. Vous allez apprendre ce qu'est la douleur. Ah, je vais pas mourir une deuxième fois. Vite, vite, vite. Oui, il l'a tué, on dirait, avant toi, non? Ah oui. Ah merde. Ils sont très efficaces, hein, ici. C'est toujours comme ça. Décidément. Merci les gens. Pas sûr, hein, Grunt, il a dit qu'il s'emmerdait. C'est pour ça que je lui mets du suspense. Énergétique en cours. Batterie anti-vaisseau gardien à 40%. Des renforts. On voulait leur attention, je crois qu'on l'a. Ouais, j'étais là-haut. Je laisse se battre. Kucha, toi, tu bouges plus. Ne vous occupez pas des blessés. Votre enveloppe est fragile. Oh putain, il y a des papillons qui arrivent. Des papillons de lumière? Ils ont un papillon. Merde. Si je dois vous tailler en pièces, je n'hésiterai pas. Oh, c'était rapide. Éjaculation de lumière, là. Witch. Et c'est fini. Je sais ce que vous ressentez. Ouais, c'est ça, c'est l'éjaculation de lumière, hein. T'as le bruit qui fait. Éjacule de lumière. Les projecteurs. Attention, il y en a juste en face de toi. Oui, mais elle s'en est chargée. Ah ouais, il est vivant encore. Non? Ouais, il est mort. Ah, il est mort. Il a cramé. Ça ne va pas en rester là. Ils vont remettre ça d'ici peu. Oui, oui. On va où, nous? Je vais faire quoi, en fait? T'as écouté ce qu'il a dit? Beaucoup de monde arrive. Idea, réactive ce système, vite! Aucune idée de ce que c'est, mais restez loin de lui. Un prétorien? Il prétorien pour attendre! J'avais un truc comme ça en tête. Bonsoir Nikus. Merde. J'ai plus beaucoup de balles de ça.
Putain, c'est bourrin. Ah, plus rien. Le Carmiflex, il tape plus fort. Mon attaque a rien donné. Le Carmiflex, il est bien. Ouais. Putain, il y a de nouveau sa barrière de merde. J'aime bien ce remix de mon prénom, Nikus. C'est quoi? John Anna. John Anna. Ah oui, il a remis sa barrière. Il y a un conteneur explosif à côté de lui. Je sais ce que je peux. C'est de la merde. Mon attaque a rien donné. Ah. Oui, moi. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres trucs qui tombent ou... Ah, ça y est. Ta main a fourché. Oui, comme ça. Ok. Il y a des cailloux sur le vaisseau. Est-ce que t'as vraiment réussi à détruire leur vaisseau? Ces enfoirés ont pris la plupart des colons. Ils ont eu ce qui... Non! Non, les laissez pas partir! Il est énorme, ce vaisseau. Comment vous voulez qu'on le rattrape? Il y a la moitié de la colonie là-dedans. Ils ont emmené Egan, Sam et Lilith. Faites quelque chose! Pas de soucis, Nikus. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était un beau combat, Shepard. Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Attendez, je connais ce nom. Ouais, je me souviens de vous. Un genre de héros de l'Alliance. Commandant Shepard, capitaine du Normandie. Le premier spectre humain. Il a été décovidé, comment ça fait? Comment ça se fait? Vous êtes en présence d'une légende, Delan. Et d'un fantôme. Tous ces gens bien qu'on a perdus et on vous laisse au rancard. Normal. Oh, puis merde, j'en ai ras le cul de l'Alliance. Putain, lui, il est... Ah, le retour de Kedon! Mais comment il a fait pour se décovider? Bonjour. Oula! Je vous croyais morte, Shepard. On vous croyait tous morte. Oui, c'est écrit sans H, mon jaune. Ça faisait un bail, Kaidan. Comment ça va depuis le temps? C'est tout ce que vous avez à dire? Vous débarquez de nulle part et vous faites comme si de rien n'était? C'est une top. Je pensais que nous partagions quelque chose. Quelque chose d'authentique. Je ok, vous putain. Votre disparition m'a ravagé. Comment avez-vous pu m'infliger putain, ça? Il est en mode. Pourquoi vous n'avez pas essayé de me contacter? Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez en vie? J'étais inconsciente, hein, en même temps. Donc... putain, mais comme il t'agresse. Rien. J'ai passé 2 ans dans un coma artificiel, le temps que Cerberus me reconstruise. Vous travaillez pour Cerberus. Ouh, le recul, les rapports disaient donc vrai. Je n'arrive pas à y croire. Je me serais saupoudré d'odeur de caca. Les agents soupçonnent Cerberus d'être impliqué dans la disparition des colons. D'après nos sources, cette colonie serait la prochaine cible. Anderson a éludé la question, mais la rumeur courait que vous étiez en vie. Que vous étiez passé à l'ennemi. Je ne travaille pas pour eux, pas tout à fait, quoi, mais bon. Vous enquêtez. Cerberus et moi avons un objectif commun. Sauver nos colonies. Je ne suis pas leur esclave pour autant. Coucou Michel. Ou c'est ce que Cerberus veut vous faire croire. La rumeur courait que vous étiez en vie et je ne demandais qu'à y croire. Mais jamais je n'aurais cru ça de vous. Wow. Vous avez renié vos serments, vous avez trahi l'Alliance. Et plus que tout, vous m'avez trahi, moi. Kaidan, vous me connaissez. Je n'agis que pour de bonnes raisons. Vous l'avez vu de vos yeux. Les récolteurs s'en prennent aux colonies humaines et ils sont alliés aux moissonneurs. Je ne demande qu'à vous croire, Shepard, mais je ne fais pas confiance à Cerberus. Les moissonneurs ne sont qu'un prétexte pour vous manipuler. Et si c'est eux qui tirent les ficelles? Peut-être qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Ouh. Je peux pas encadrer Cerberus, moi non plus. Mais question fumier, il y a pire qu'eux. Vous laissez vos préjugés prendre le pas sur votre jugement. Tout à fait d'accord. Ou peut-être que c'est votre dette envers Cerberus qui vous influence. Peut-être que c'est vous qui vous trompez. Vous avez changé. Quant à moi, je n'ai pas oublié à qui je dois ma loyauté. Je suis et je reste un soldat de l'Alliance. Ok, ben au revoir. Je vais en référer à la Citadelle. Ce sera à eux de décider s'il faut vous croire ou non. Vous auriez votre place dans mon équipage, Kaidan. Comme au bon vieux temps. Pas question. Je ne travaillerai jamais pour Cerberus. Et au revoir, Shepard. Faites attention à vous. Toi aussi, t'as changé.
Non. Bah oui, mais en Joker, même temps... envoyez la navette nous récupérer. J'en ai assez de cette colonie. Et eh ben tant pis, Kédan. Connard de merde. Eh ben tant pis, Kédan, au revoir. Je suis triste quand même. C'est dommage, on avait vécu quelque chose et tout, et puis... Et puis genre, il est en mode, on l'a trahi, mais attends, ça va, du calme. Il est toujours un peu... Un petit peu nerveux. Ouais. Un petit peu, voilà, un petit peu psychotique sur les bords. Ouais, hein. Carrément. Monsieur Sharingan, là autour. Shepard, c'était du bon travail. Les récolteurs y réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une autre colonie. Comment m'a plu. C'est tout intéressant. Non, on n'a pas sauvé grand monde. C'est tout sauf une victoire. On n'a pas empêché les récolteurs de capturer la moitié de la colonie. C'est toujours mieux que la totalité. Depuis que les enlèvements ont commencé, nous n'étions jamais arrivés à un tel résultat. Les récolteurs seront sur leur garde désormais. On est prêts, là. Mais nous trouverons bien un autre moyen de les piéger. Ah, je peux pas. D'après Kaidan, l'Alliance a été informée de mon implication avec Cerberus. C'était vous ? J'ai peut-être laissé filtrer que vous étiez encore en vie et rallié à Cerberus. C'est facile, hein. Vous avez risqué la vie de mon équipage et d'une colonie entière dans le seul but d'appâter les récolteurs ? Un risque calculé. Je soupçonnais les récolteurs d'être à votre recherche ou de quiconque vous était lié. À présent, ça ne fait plus aucun doute. Je vous l'ai dit, je refuse de rester sans réagir pendant que les récolteurs et les moissonneurs rassemblent leurs forces. D'ailleurs, ils auraient fini par attaquer une autre colonie. Et à défaut d'anticiper leur cible, le bilan aurait été bien plus lourd. Pourquoi pas avoir... pourquoi avoir choisi Kaidan et pas Liara comme 95% des joueurs? Parce qu'on pensait qu'on pourrait faire les deux. Ouais, on n'était pas au courant du gameplay, en fait. Et on l'a eu dans le cul au moment de... Voilà, voilà. Ce qu'on parce voulait... que Liara, c'est vrai qu'il y a Liara, on a voulu rentrer dans Liara, mais... C'est pas... Enfin, pas rentrer dedans, puisque nous sommes Johanna, mais... Bah si, avec les doigts, quoi. Oui, mais pas forcément. On peut juste, on peut juste se frotter. Ou faire des bisous. Et Vrex aussi. Est-ce qu'on fait les enlèvements, c'est fini? Mais non. Passons à l'offensive, ils nous font un plan. Ouais, c'est ça, c'est jouer sur plusieurs tableaux, ça marche pas trop. Du coup, Liara, elle nous a refoulés, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons garder les récolteurs sous pression. Maintenant qu'ils sont sur leur garde... Il va falloir attendre une nouvelle opportunité. J'alloue toutes nos ressources à la recherche d'un passage via le relais Oméga 4. Nous devons les frapper en plein cœur. Vos hommes devront renforcer leur détermination. Cœur. Le passé ne compte plus. Cela vaut aussi pour vous. Puis-je croire que vos relations anciennes sont désormais derrière vous ? Et ta sœur. Ça ne vous regarde pas. Si elles affectent la mission, mieux vaut les reléguer au passé. Shepard. Dès que nous aurons trouvé le moyen de franchir le relais Oméga 4 jusque dans le territoire des récolteurs, rien ne garantit que vous Mais c'est survivrez. Un récolteur, lui, en fait, non? Votre seul espoir, pour vous et votre équipage, c'est d'être totalement dévoué à notre objectif. Ça, c'est à... Vas-y, mange-moi dans la main, s'il te plaît, quoi. Oh là là. Ça, c'est mon affaire. Contentez-vous de nous dégoter un passage vers le monde des récolteurs. Je tiens seulement à jouer franc jeu. Vos hommes devront donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous ai transmis trois autres dossiers. Continuez de monter votre équipe pendant que je cherche un moyen d'emprunter le relais. Ne vous relâchez pas, Shepard. Les récolteurs seront aux aguets. Et toi, faut que t'arrêtes de fumer parce qu'à chaque fois... C'est un setup voit, comme ça qu'il me faut pour les lives. Avec une table en verre, tu sais. Cette fois-ci, ça rigole plus. On va affronter les récolteurs pour de bon. C'est pas des yeux bioniques, c'est de Sharingan. On va avoir un peu d'action. D'un autre côté, après ce que ces bâtards ont fait sur Horizon, ça donne à réfléchir. Quelque chose vous tracasse? Non, c'est juste que... Même si on réussit, on pourrait bien tout s'y passer. J'ai encore un dernier truc à faire avant de partir. J'imagine que c'est notre cas à tous, non? Si, il tente de te draguer. Ah bon? Bon, on a laissé tomber, il était chiant, non? C'est vrai qu'il était chiant. Oh, je préfère Mordin. Jean-Marc Mordin. On va où?
Pour avoir moins de troubles, ouais, les yeux bioniques. Oh, biotique, les gars. Ou trame thermique renforcée. Récolteur, moissonneur, oméga 4. C'est sur la production d'huile de colza. Pas mal. Ouais, c'est pas mal comme, comme rapport. Ouais. C'est peut-être vrai. Hein. C'est peut-être vrai. L'inspiration, c'est peut-être vrai. En fait, c'est un jeu sponsorisé par l'huile de tournesol. Par le Siurt. Bon, Dodo qui lise. Ouais, mais pas tard non plus. Que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Entre vos interruptions multiples et l'insistance d'idées à qualifier mes travaux de dangereux pour l'équipage, difficile de se concentrer. Le moral s'en ressent. Autre chose? Parlez-moi de vous. On a déjà fait tout ça. Faut lui faire parler-moi de vous si tu veux qu'il te parle de quelque chose. Genre, c'est vous quelque avez chose un peu de temps pour parler? Entre vos interruptions. Autre ouais, chose? Ça veut dire non. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Allez vous faire foutre. C'est sucré qu'il allait dire ça. Ah. T'as acheté de nouveaux trucs? Oui, c'est parce que j'ai acheté des nouveaux trucs. Ah d'accord. Je croyais qu'ils étaient pas encore débloqués, moi. Mais du coup, maintenant, il y en a des nouveaux ou pas? D'accord. Bah si tu viens de les débloquer, non mais pour ça. Ici c'était là. Mais oui, on sait qu'on peut pas romancer Mordin. Commandant, désolé, je suis un peu distrait. C'est personnel. Ça n'affectera pas mon travail. J'ai du temps devant moi. Quel est le problème? Mais c'est dommage. Je le répète, c'est personnel. On puisse pas romancer le Mordin. Je ne veux pas vous faire perdre du temps à courir après du vent, mais je n'arrive plus à bander, capitaine. Bien. Un fantôme est revenu me hanter l'autre nuit. Quoi de neuf? Tu what? Arrêtez de tourner autour du pot. De quoi s'agit-il? Mon père servait sur un vaisseau porté disparu il y a 10 ans. À l'époque, ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas adressé la parole. Son vaisseau, le Hugo Gernsback, a transmis un SOS la semaine dernière. Comme ça, sorti de nulle part. À mon avis, ce n'est rien de plus qu'un signal de détresse. Un éclairage, mais pas tes dents en valeur, mec. Ça fait trop longtemps. Vous voudriez qu'on aille sur place pour tirer ça au clair? Si les coordonnées ne sont pas trop éloignées de notre trajectoire, j'aimerais y jeter un coup d'œil. Y jeter un coup de cil. Peut-être qu'il reste des survivants. Ce n'est pas mon genre de m'attarder sur tous les signaux de détresse qui fusent dans l'espace. Mais celui-là a c'est été plus safe qu'un, sur mon système. Ouais, je préfère perdre un cil qu'un. Pareil. J'ai rien écouté une ce qu'il y a. Une opération secrète de Cerberus, peut-être? Qui vous a transmis l'info? Ça m'étonnerait que l'homme trouble laisse une opération piétiner aussi longtemps. S'il y a un lien, c'est sans doute une question de fric. Cerberus a besoin d'argent frais pour financer divers projets. Des projets comme vous. T'es con, Michel. Et celui qui est derrière ça a effacé ses traces. La question c'est, pourquoi? Pour me faire chanter? Pour me déstabiliser? Avec eux, rien ne me surprendrait. Vous ne vous entendiez pas avec votre père? Je vais lire un message aussi. Il n'a jamais fait d'excuses. Le petit fantôme de la crête. Les erreurs, on les assume jusqu'au bout, quitte à récidiver. Mais arrête de bouger comme Nos ça. Nos problèmes remontent non, à une éternité. J'ai eu 10 ans pour m'en remettre. Et pour autant que je sache, ce SOS ne change rien à la donne. Parlez-moi du Hugo Gernsback et de sa fonction. C'était une frégate affrétée sur fond privé. J'ai dépouillé le manifeste de mission quand elle a disparu. Rien de spécial à noter. Une opération de recherche-acquisition, somme toute, classique. Trouver une planète non répertoriée, la revendiquer et occuper les lieux aussi vite que possible pour évincer la concurrence. Alors on verra ça de plus près, on verra ça plus tard. Bah oui, qu'on va aller voir ça de plus près, de toute façon. Ça mérite le détour. Transmettez les coordonnées à Joker. Merci, commandant. Je ne m'attends à rien de plus qu'une vieille carcasse rouillée, mais je préfère en avoir le cœur net. Truc sur net. Il aime pas les E. Comment ouais, ça s'appelle les E caractères trucs. Spéciaux, les O les E dans l'eau. Les E dans l'eau. Les E dans l'eau. Tout tout tout. Allons parler aux gens. Qu'est-ce qu'il y a? Commandant, vous avez une boîte d'œufs dans une rivière. Privé. Les E dans l'eau.
Attends, on va déjà aller en bas. On va reparler aux gens un peu partout ou pas? Alors, Kenneth. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Bonjour. Vous dites toujours la même chose. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. Ah, de me faire chier. Bonjour, reprenez le travail. Des problèmes de cou. Ouais, ouais, ça me perturbe aussi. Des petits problèmes techniques. C'est ça. Cuic. Ah oui, il y a lui, il dit rien lui non plus. Vous voulez une autre leçon? Non. Eh non, il est pas romançable. Son premier meurtre. Mais il est même pas socialable en fait. Socialable. J'ai dû traverser pour le trouver. Lorsque j'ai enfin réussi à l'appréhender, Jessie était. Mais comment? Mais pourquoi je t'entends encore dans ma tête? Mais elle voulait sa main. Ah, de parler, tiens, bonjour. Je parle. Putain. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. La soute est trop exposée. Pas assez d'abri. Blindage restreint. Le chef de guerre Grant l'aviserait pour disséminer les cargaisons lourdes avant de se concentrer sur les moteurs. Merci d'être passé, Nikus. Bisous, bonne soirée. C'est ce que les images de la pub m'indiquent sur les vaisseaux humains. Et bonne partie d'Alias, du coup. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Avec de vieilles images, comme ersatz de mémoire. C'est comme tenir un livre à un enfant. Des leçons de choses, image après image. La raison derrière tout ça n'est jamais exprimée. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme info sur les humains? Il suffit d'un pouce de pénétration pour sectionner la colonne. Vous êtes tendre, comme ces Galariens et les Asari, les Cariens déjà moins. Pour les Turiens, il faut remuer la lame. Je crois, je ne vois pas trop l'utilité. Enfin, à part se faire plaisir, bien sûr. Un pouce de pénétration, c'est sale, dit Michel. Il doit bien y avoir quelque chose qui vous interpelle. Vos gènes sont on ne peut plus Krogan. Dans la souffrance, les morts, je ne vois que la faiblesse. Je suis censé être fort. Mes entrailles ont les gènes d'un millier de Krogan plus méritants. Les morts étaient faibles. Sinon, ils n'auraient pas eu besoin de moi. Je ne sais pas pourquoi Okir a tenu à me montrer ça. Quand il a activé la cuve pour la première fois, j'ai hurlé comme un lâche. La belle affaire. L'important, c'est ce que vous êtes devenu. Tout le monde n'a pas cette chance. Ma force est innée, mais je ne la mérite pas. Ces morts ont eu la force d'essayer, même s'ils ont perdu. Le Krogan parfait. Et j'ignore ce qui a fait de moi ce que je suis. Je vais réexaminer ce qui est arrivé au Krogan. Qui sait, j'y trouverai peut-être de quoi m'intéresser à leur cause. Il arrive pas à se considérer comme un Krogan, en fait. Alors, l'être unique. Mais il se considère pas pur, quoi. Je passe juste voir si vous vous êtes. Les humains parlent trop, comme la cuve. Revenez plus tard. Salut. Qu'est-ce que vous pensez de notre mission? Je me bats. Pour qui? Ça, peu importe. J'ai tout fait, ça. Vous a donné des instructions sur les récolteurs. Bah ouais. Ah d'accord, je savais pas. Tout ce qu'il avait. Excusez-moi, c'est bon, voilà. Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous servir à exploiter ces ressources? Je peux peut-être bricoler quelque chose. Ça vaudra ce que ça vaudra. Toi aussi, t'es... De toute façon, c'est la même chose que... Putain, à chaque fois, c'est perturbant, voilà. Ces options. Vous voulez que je garde toutes ces merdes? Oui, dans ton cul, c'est vrai, je me suis... Là, c'est tout pour l'instant. Allez, c'est bon, t'es gars. Shepard. Oui. C'est moi. C'est moi, non, c'est pas de me le dire. Ouais, Rebecca... Ah ouais, Rebecca, elle est romançable. Rebecca. C'est l'assistante Rebecca, c'est ça. L'assistante... Ah, qui oui. Est à côté du tableau. D'accord. Du tableau de bord. Du coup, on a Miranda... Jacob. Jacques. Salut. Parlez-moi de vous, Jack. Je suis encore en pleine introspection. Merci de m'avoir laissé jeter un coup d'œil à ces fichiers. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Vos amis de Cerberus sont vraiment des tordus de première. Je vais trouver quelque chose d'utile, j'en suis sûr. Et si les réponses ne sont pas celles que vous attendez? Je ne cherche pas des réponses. Je cherche des noms, des dates, des lieux. C'est Keira Knightley, en fait. Et quand vous l'aurez trouvé, qu'est-ce que vous ferez? En mode... Je partirai en chasse. Ceux qui déconnent avec moi, ils en paient le prix. Eux,
leurs associés, leurs amis. La galaxie sera nettement plus vite quand j'aurai terminé. Ok. Je refuse de vous laisser partir tuer tout le monde. Je suis là pour votre mission. Après ça, ce que je ferai ne regarde que moi. C'est quoi vos démêlés avec Cerberus ? Ils m'ont élevé dans un complexe de recherche. Je me suis échappée toute gamine, et je suis en cavale depuis. Et je les ai aux trousses depuis tout ce temps. Mais bientôt, c'est moi qui leur collerai au train. C'est vrai qu'elle est dans la cave, en fait, en gros, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce trou, vous savez. C'est sombre, tranquille et difficile à trouver. Chez moi, c'est synonyme de sécurité. Ce vaisseau a un potentiel énorme, vous savez. Vous pourriez virer pirate, vivre comme une reine. Je peux vous aider ? M'aider comment, plutôt ? Vous seriez mon second ? C'est comme ça que tu la dragues, en fait. Je dirigerai les abordages, et je m'occuperai des exécutions. Vous aimez tuer. Comment ça se fait que vous aimiez tellement tuer ? Je me dis qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre que moi crève, mes chances de survie remontent. C'est pas compliqué. Ok, pourquoi pas. Je dois partir. Ça marche. Salut. T'as déjà fait amélioration, tout ça, ça ? Je vais parler, ouais. Je dois y aller, c'est ça. Au revoir. Au revoir, au revoir. Mademoiselle Capitaine Jacques Sparrow. Gigi. Oh, oh non, encore, putain. Ça a bugué. C'était quoi déjà les codes? Les commandes, c'était walk et fly, je crois. Non, c'est voler et du coup après tu refais walk. Et d'abord c'est fly du coup. Pour se déplacer. Voilà, et là tu fais walk. Attends, je vais mettre bien quand même. Là, elle est en fait à 2 cm au-dessus du sol, tu vois, ses chaussures. Oui. Voilà. Il est coincé et tiré. Je suis en train de perdre mon Normandie. À chaque fois, c'est à toi que ça arrive en plus, c'est ouf. Mais comment tu fais? Bah, je sais pas, j'ai le fluide. Le fluide du glitcheux. L'accès au système de survie. J'ai envie de te fondre dans les textures. C'est ça. Les chiottes, c'est toujours rien. Les toilettes des femmes sont situées à tribord. Et alors ? J'ai envie de voir des zizi ? Non mais. La baie d'observation. J'ai 3 ans, hein, ça me fait rire. Est fermée jusqu'à nouvel ordre. Encore une colonie qui a disparu. Ferrisfield, s'il paraît. Ce n'est pas loin de Newcompton. Est-ce que ta famille est rentrée sur Terre ? Et voir le médecin. Dit Michel qui dit de toute façon Jeanne Limous il serait capable de se perdre dans sa chambre. Si ma chambre elle bouge et puis. Quoi, c'est dans le rideau. Que puis-je faire pour vous, commandant ? À plus tard, non. Docteur. Commandant. Je vois le sketch. C'est très visuel là, toujours. L'accès au toujours, loyer. Toujours. Ma tête, c'est très visuel. Mon humour, c'est toujours très visuel aussi. Y'a que ça qui est drôle. À vos portes ! Le repas de ce soir a un goût différent. Alors... Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant ? Alors, comment ça vous se passe en cuisine ? Oui, maintenant que vous m'avez ravitaillé, merci encore. De rien, je Tic. Ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Au revoir, Tic. Depuis l'enclave, je ne vois ce genre de je ne vois ce genre de couleur, commandant. Vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu ? Je suis en plein calibrage. Ah bon ? Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu, je suis en plein calibrage. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose... Garrus, il veut pas, Il n'y a plus personne qu'on peut remonter du premier ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je pense que les extraterrestres, on n'a pas le droit. À part les extraterrestres bleus. À part les coquines. Bonjour, madame. Shepard, c'est assez embarrassant, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin de votre aide. Je n'aime pas aborder les sujets personnels, mais c'est vraiment important pour moi. Que se passe-t-il ? Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur mon père, sur la dynastie qu'il voulait fonder ? Si j'ai demandé la protection de Cerberus, c'était aussi pour une autre raison. J'ai une sœur, jumelle, qu'il pourchasse encore. Une sœur ! Cerberus a veillé à sa sécurité, jusqu'à maintenant.
Elle mène une vie normale sur Ilium, tranquille, loin de mon père. Et pourquoi vous me déballez tous vos secrets de famille ? Ça fait des années que les agents de mon père recherchent ma sœur. Je crois qu'ils ont remonté sa trace jusqu'à Ilium. J'ai cherché à la cacher sans qu'elle en souffre. Ils ont tous des petites voix comme ça sur Ilium. Il est trop près. Il faut que la famille de ma sœur change d'air avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que vous savez sur votre sœur ? Ouh, ce plan ! C'est ma jumelle génétique. Nous sommes identiques. Mais elle mérite de vivre normalement. Un peu sur un plan à trois avec les jumelles, c'est ça ? La famille de votre sœur est au courant ? Ça ne les dérange pas de devoir déménager ? Ils ne sont au courant de rien. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est normal. J'en ai informé Cerberus qui va trouver un prétexte pour les faire partir. Vous voulez que je fasse quoi ? Mon père est extrêmement persistant. J'aimerais aller sur Ilium quand Cerberus organisera le déménagement, pour m'assurer que ses agents ne s'en mêlent pas. Le nom de mon contact est Lanteia. Elle nous attendra au salon près de la baie d'amarrage de Nos Astra. Et voilà, c'est une mission secondaire de plus. Mission secondaire, aider la famille de Miranda. Et tu te la mets dans la poche. Eh bien, quand nous aurons le temps, j'aimerais me rendre sur Ilium pour y retrouver la famille de ma sœur. Vous pouvez m'en dire plus sur votre sœur ? Mon père est à la recherche de ma sœur. Merci. Elle se cache sur Ilium. C'est la même chose. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur mon père ? Sur la dynastie qu'il voulait fonder ? Si j'ai demandé la protection de Cerberus, c'était aussi pour une autre raison. C'est quoi une sœur ? J'ai une sœur. C'est comme un frère. Cerberus a veillé à sa sécurité jusqu'à maintenant. Elle mène une vie normale sur Ilium, tranquille, loin de mon père. Et vous pensez que son père a retrouvé sa piste ? Précisément, commandant. Mes sources indiquent qu'il a remonté sa trace jusqu'à Ilium. Putain, c'est long. J'ai cherché à la cacher. Parce que je regarde les autres. Et je suis à court de solutions. Les autres phrases. Il est trop près. Il faut que la famille de ma sœur change d'air avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ouais, bon. Vous voulez que je fasse quoi ? Ce plan. Ça te fait bander, on dirait. Les plans boules. Les plans boules. Et tout de suite, tu vois le gamin, tu sais, dans la BD, tu sais. Oh, les plans boules. De quoi, boule et bile ? Oui. Oh non. Bah si. Attends, boule, c'est le petit garçon ou c'est bah, le chien ? Bah oui, bile, c'est le chien. Mais pourquoi il s'appelle ? J'ai toujours trouvé ça con que le chien ait un nom de petit garçon et que le petit garçon ait un nom de chien. Hey, il s'appelle Boule. Occuper ta prochaine perle. C'est grossophobe. C'est genre ils ont appelé leur fils cul. Mais non, mais ils trouvaient qu'il était gros. Ok, je l'appelais Boule. C'est cul. Dingue, non ? Ah merde, je le voyais pas comme mais ça. Mais moi, ça m'a fait rudement plaisir. C'est Bité Boule, en fait. Capitaine Alenko, c'est bien ça ? Ah, yes. Oui. Il restait ami de loin. Ça, c'est pas trop, il aime passer. C'est une période de ma vie que j'aimerais mieux oublier, Joker. 2 années de perdu. Ok, bien compris, commandant. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation ? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez de Jacob, c'est pas mon rayon. Attends, on va sortir Jacob. Jacob. Qu'est-ce que vous pensez de mes nouveaux coéquipiers ? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, Grunt est tout sauf un facteur de calme, commandant. Je ne dirai rien sur Jack. Je suis pas con non plus. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde. J'adore ça ton vous opinion, arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé ? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec Deguette, Saren, Sovereign. Et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non ? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage ? Ah non, moi, c'est la plupart, oui. Presley est mort. C'était votre équipe, commandant. Sensé. Après votre départ et la destruction du Normandie. J'imagine que tout est en ordre par ici. Oui, jusqu'à ce que quelqu'un décide de me remettre en question à tout bout de champ. Elle ne laisse rien passer, c'est affreux. Vous falsifiez délibérément des rapports de maintenance, monsieur Moreau. J'appelle ça de l'optimisation. J'arrondis toujours les temps de travail. Comme ça, en cas d'inspection, on peut se faire mousser. Bon, c'est pas grave. Autopromotion, Anodine. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Idea. Très bien, Shepard. Ouais, va bouder dans ton coin. Joker. C'est bon, c'est bon. Sans rancune, hein. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Et moi, je veux romancer le Joker. Hein. Il y a d'humour et tout. Mais il a pas de jambes. Ah. En fait, je t'imagine.
C'est un monde où tous les noms de les noms d'animaux ils sont inversés avec les noms d'humains. J'ai parcouru les rapports sur. Mais oui, princesse, j'imagine très bien. Le compte rendu mentionnait la présence de Kaidan Alenko. Qu'est-ce que ça a donné? Ah là là. Et toi, c'est chatouille alors. Chatouille, alors chatouille. Ben c'est Rex, chien policier. Rex, chien policier. Ah. Pas grand chose. Le passé toujours s'est passé. Fait des trophées news, je comprends. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous toujours, commandant. Je ferai mieux d'y aller. Très bien. Oui, ça fait une minute, au revoir. Ah, c'est Kelly, c'est ça, Kelly l'assistante, c'est pas Rebecca du coup. Allez, je vais dans les quartiers et puis après je sauvegarde et j'arrête. Les taux. Ouais, c'est la ça, fin. Ça arrive, ça arrive. Putain, la photo de Kaidan, j'ai envie de l'enlever. Moi, j'ai envie de cracher dessus. Oh là là. C'est quoi ce déjà ça, ah oui, le hamster de l'espace. Oui. C'est vrai qu'on a un hamster. On a les chiottes de l'espace aussi. Faire caca. Ah non. C'est vrai qu'on peut pas faire caca. On peut se voir dans le miroir. Tobelief qui dit remarquez, leur chien s'appelle Bill, leur tortue Caroline. Il y a une logique tortue... à ce que leur enfant s'appelle Boule. C'est vrai que la tortue s'appelle Caroline. Ouais, mais c'est un oui. Mmh. Bon bah voilà, je vais sauvegarder. C'est dans le 3, il me semble, il y a une mission où tu incarnes Joker. Eh, mais attends, comment ça se fait qu'il y ait... Ah, c'est la sauvegarde automatique. C'est pas de la romance, mais c'est déjà sympa. C'est vrai, incarner Joker, ça peut être cool. Et tu pilotes le vaisseau, c'est ça du coup. Oh,